Je m'appelle Henry Skinami. Je suis musicien d'origine albanaise vivant en France. Je joue un instrument qui s'appelle sharki, qui est d'origine d'Asie centrale. Et le nom aussi veut dire oriental. Donc cet instrument est venu en Europe à l'époque de la conquête ottomane, à partir du 15e, 16e siècle. Et les populations locales, albanophones et slavophones, l'ont appelé oriental parce qu'il venait de loin. Il est joué principalement en Albanie, en Kosovo, en Macédoine, en Monténégro et en Bosnie. On l'appelle saz, à ne pas confondre avec le saz turc qui est légèrement différent. C'est un instrument qui a plusieurs vertus, notamment des vertus spirituel et thérapeutique parce qu'il est utilisé lors des cérémonies spirituelles, lors du vicre dans les Balkans. Et également, il a une dimension aussi de musique traditionnelle. Donc, il porte en lui toute une histoire et toute une mémoire de peuples et de musiciens qui l'ont joué, de transmission orale transmise de maître à disciple, vivant encore de nos jours dans l'espace des Balkans. Une petite anecdote sur cet instrument et comment je suis arrivé à la découverte de cet instrument et de la musique qu'il représente. Étant moi-même de formation classique à la base, je me suis intéressé en musique traditionnelle, plus en France qu'en Albanie natale. Et un beau jour, il y a 5 à 6 ans, je voyage en Macédoine et je vois accroché au mur cet instrument chez un luthier. Du coup, j'ai vraiment eu l'envie tout de suite de le jouer et à force de le jouer, j'ai commencé à me connecter à tout le passé, toute la culture qu'il représente, afin de revivifier ce patrimoine très méconnu, hélas, de nos jours en Occident, mais vivant et qui a beaucoup de choses à nous apprendre.